Le transfert le plus coûteux de l'histoire du LOSC s'appelle Youssouf Yazidji. Un recrutement confirmé hier, après des mois de négociations difficiles avec son ancien club en Turquie. Coût de l'opération, 16,5 millions d'euros à la charge du club lillois et pas mal de pression sur les épaules de l'international turc. Bien sûr qu'être le plus gros transfert de Lille, ça fait réfléchir. Mais il faut se lancer, la pression est très forte, mais je vais faire le maximum pour être à la hauteur de ce transfert. À 22 ans, ce gaucher formé à Trabzonspor en Turquie est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Un statut et des ambitions qu'il va devoir confirmer dans sa nouvelle équipe. Bien sûr que ce sont des sensations différentes. J'ai commencé au centre de formation à l'âge de 8 ans, donc porter un autre maillot, c'est peut-être difficile, mais j'ai des ambitions. Toute ma famille en Turquie est supporter de Trabzonspor, mon ancien club. Donc oui, c'est dur, mais je le répète, j'ai de grandes ambitions ici au LOSC. Un contrat qui le lie au LOSC au moins jusqu'au mois de juin 2022. D'ici là, Youssouf Yazidji aura la lourde tâche de faire oublier un autre transfert, celui de Nicolas Pépé qui a quitté Lille pour Arsenal.